Yep, alors aujourd'hui on est à Skipton, voilà, j'avais un doute. Alors c'est un parc que je l'ai pris sur un coup de gueule en fait. Hier soir à minuit et demi je crois, je me suis dit vas-y on fait une vidéo dessus. Et puis le parc est sympa donc j'ai vu des photos. Et en fait ça il est assez cool parce que ça fait un genre de parcours quoi. En fait c'est que t'as une box, ensuite t'as un quarter en forme de hip et puis ça tourne en rond quoi, donc c'est bien. Et la box je pensais plus sympa que ça sur les photos, mais bon on va essayer de trixer dessus, hein. On va commencer doucement, on va faire un transfert. Bon voilà, petit transfert. Alors la box elle est quand même assez petite. Et ce que j'ai pas dit juste avant, c'est qu'en fait le skatepark est basé dans un parc en lui-même en fait. Donc c'est vraiment sympa. Quand je suis arrivé, il y avait une petite rivière. Enfin, on va dire que l'emplacement du skatepark pour le coup est vraiment super sympa et à 700 mètres de la gare. Alors qu'à chaque fois les skateparks, je crois qu'ils sont à au moins 1 km de la gare. Et là c'est le premier où le skatepark il est juste à 500 mètres. Ou maintenant qu'on a fait un petit transfert, on va faire du coup un petit bus. Bon voilà, petit bus, il n'y a pas de souci, c'est la famille. Hein. Voilà, maintenant je vais bouger la caméra. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un 3-6 dessus. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est je vais essayer de tendre un table. Parce que sur les tables, je suis plutôt à l'aise, mais quand Flyout est là, c'est plutôt occasion. Bon voilà, c'est bien beau de faire de la boxe. Maintenant, on va faire un peu du tech. Donc, du coup, on va faire un bus Faki juste là. Ok, bon ça c'est fait, maintenant on va en chier un peu plus, on va faire des Fujamui. Bon, je viens de terminer là le Fujamui. Il y a un mini quarter et je pensais que faire un bus en courbe ça peut être bien. Voilà, donc je vais essayer. Voilà la courbe où je vais faire le bus. Voilà, la courbe est toute petite, elle n'en voit rien. Mais j'ai envie de faire un petit bus en courbe. Je sais que généralement j'arrive à les faire vraiment en bas de quarter. Et là pour le coup c'est un mini quarter. Donc on va essayer ça. Voilà, il est passé, bon ça c'était pas trop dur. On va faire une autre chose sur un trick que je maîtrise aussi, qui est un Fujam. On va le faire là. Mais ce que vous voyez pas, c'est qu'en fait là il y a une inclination à ce niveau là. Et pour faire un Fujam, et bah c'est bien chaud. Voilà, donc du coup bon, on va en faire un. C'est parti. Bon voilà, le Fujam où on le voit beaucoup moins. La box elle est au moins comme ça, il faut faire un Fujam dessus, c'est assez chiant. C'est vrai que moi en France j'ai roulé plusieurs skateparks, mais la plupart des box étaient plates, il y avait des choses différentes. C'est encore de nouvelles choses, des courbes sont un peu plus différentes, choses comme ça. Donc du coup j'essaye des tricks tout con. Là on va finir la vidéo, ce que je vais faire c'est qu'avant de la finir, je vais faire une petite ligne avec quelques tricks, donc c'est parti. Bon, il s'est mis à pleuvoir là, une bonne averse anglaise, de toute façon je savais qu'aujourd'hui ça allait être chaud. Donc, sinon j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, c'est vrai que maintenant je vais faire plus des vidéos comme ça, où je vous fais des plans du parc, puis ensuite j'essaie de faire des tricks là-dessus. Du coup c'était un petit parc assez sympa, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu, vous pouvez lâcher un pouce bleu, vous abonner à la chaîne, puis n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, et on se retrouve très bientôt de prochaines vidéos, bye. N'oublie pas, tu peux toujours bénéficier de 10% de réduction sur le site OK Closing.